depuis une dizaine d'années, on fait venir régulièrement, de manière presque hebdomadaire, des réalisateurs, des critiques, des comédiens, pour qu'ils parlent de films. Et puis, l'idée, c'est de parler du film qui sort, mais aussi de faire le lien avec la boutique, avec, avec le patrimoine, avec le ben, comment l'invité aussi s'est construit au niveau de son cinéma. Donc cette semaine, on est très content d'avoir Pascal Tagnani, on dit ça, on dit comme ça, ouais. Tagnati, voilà. Et pour ce qui n'est pas ton premier film, mais ce qui est ton premier long métrage, qui s'appelle Icomete, c'est ça. Et alors, avant de parler du film, qui est sorti, que New Story a sorti, donc voilà, on remercie l'équipe de New Story. Et mais avant de parler du film, moi, j'aime bien pas. Savoir quelle est un peu les origines ou l'histoire de cinéma de l'invité. Donc je pose toujours une première question rituelle, à savoir quel est le premier souvenir de film que tu as dans, voilà, je sais pas, ça peut remonter à ou premier souvenir de salle de cinéma ou d'image, comme voilà, qu'est-ce qui te vient, Pascal? Le premier souvenir, je dirais surtout marquant en fait, hein, parce que des images, on en a plein en tête, on est parfois on va les chercher et parfois on les subit aussi, donc des images on en a beaucoup en tête, mais le premier film qui m'a vraiment créé une sensation très forte, c'est Apocalypse Now. Mais tu l'as vu à quel âge? Ah, j'étais gamin, je devais avoir je pense 10 ans quoi, j'étais tombé dessus et j'ai été fasciné, même si je comprenais pas tout ce qui se passait, ce que ça racontait vraiment, j'ai été captivé par la dimension complètement mystique en fait du film, après avec des acteurs qui sont juste incroyable, extraordinaires, ou une mise en scène qui explose tout quoi. Et ça a été un choc plus, je dirais, ouais, mystique que visuel en fait. Il y a quelque chose d'assez hypnotisant en fait là-dedans quoi. C'est une image qui reste. Alors est-ce qu'elle m'a accompagné? Je saurais pas te dire quoi, tu vois, mais en tout cas ça c'est vraiment le premier choc, voilà, on dirait de cinéma, de grand cinéma, ouais. Mais j'ai envie de te faire préciser quel tableau d'Apocalypse Now, parce que c'est une sorte de film total comme ça où il y a vraiment des moments, presque des saisons quoi, dans le film. Il y a pas eu, c'est pas les hélicoptères, la chevauchée Valkyrie. Forcément les hélicoptères, le bombardement de la jungle, Marlon Brando, voilà tout ça quoi, voilà tous ces personnages habités, possédés, avec les yeux qui sortent presque des orbites, voilà, c'est assez captivant. Et puis bon, la puissance de la nature aussi qui joue. Bon, la guerre de toute façon, voilà, c'est toujours malheureusement, mais c'est aussi un spectacle qui est donné à voir au cinéma. Et quand on a cet âge-là, bon, on a du mal à réfléchir sur ce qu'on voit, quoi. Donc il y a toujours ce truc spectaculaire qui marque, voilà. Comment t'as poursuivi comme ça ton éducation à quoi tu te nourrissais quoi, quel film t'allais voir, c'était donc plutôt des films de guerre ou c'était plutôt des films, t'as un peu creusé, tu t'es dit tiens je vais me faire tous les Coppola, après tous les Scorsese, je sais pas, ou pas du tout, non, je sais pas. Non, ça c'est arrivé bien plus tard. À vrai dire, tout ça est arrivé un peu par hasard, je dirais. Ce que je fais aujourd'hui, enfin voilà, en tant qu'acteur. Parce que ce que j'ai pas précisé, c'est que tu es comédien, tu es comédien avant d'être réalisateur, tu es comédien de théâtre aussi, tu mets en scène au théâtre, et puis tu as filmé, et depuis plus d'une dizaine d'années, tu as fait des courts-métrages, donc tu es passé derrière la caméra aussi. Donc tu as un peu toutes ces casquettes-là, tous ces métiers-là du cinéma t'ont intéressé, mais tout d'abord tu as commencé par être comédien, ou vouloir être comédien? J'ai commencé par être comédien, et c'était pas du tout, enfin, enfant, adolescent, j'étais pas du tout attiré, en fait, j'étais pas préparé à ça, en fait, ça ne m'intéressait pas. Voilà, je suis arrivé un petit peu par hasard, en fait, au jeu, même par ennui, je m'ennuyais dans ma vie, tout simplement, je savais plus quoi faire, je faisais du foot, je sortais, voilà. T'étais en train de nous résumer, il commettait, là, quand même. Il y a des parties de tableau qui sont peut-être, je sais pas, des morceaux de vie qui sont peut-être
peut-être après, c'est peut-être banal aussi, voilà, mais c'est pas le cinéma ou l'art qui m'a amené à ça, en fait. C'est une rencontre, et puis voilà, je me suis pris au jeu tout de suite, je me suis senti, je sais pas, peut-être pour moi-même en tout cas légitime d'être sur un plateau de théâtre, quoi, voilà, peut-être à ma place, ouais. Et très vite, j'ai pris ça très très au sérieux. Et les choses sont arrivées un petit peu plus tard, quoi. Oui, après, je me suis intéressé plus sérieusement à Coppola et compagnie, ouais. D'accord. Et le moment aussi où tu te trouves à ta place devant la caméra, mais le moment où tu as envie de te placer derrière et te dire, moi j'ai envie de raconter aussi mes histoires, ça vient quand? J'ai pas vu tes courts-métrages, je sais pas si je vais peut-être les citer. Donc Belorusskaya, Vergonia, Belorusskaya qui était... C'est russe, ça? C'est russe, mais c'est un projet hybride, en fait. Je vais en parler brièvement parce qu'il est en cours, il est en post-production, en fait. Premier film qui sera mon dernier. C'est un documentaire. voilà, c'est des images d'archives que j'ai tournées à Moscou en 2009. Ah, voilà, j'ai 26 ans. Une petite actualité, là. Ouais, carrément. Ouais. Produit par Lotta Film, Delphine Léon, mais ici présente. Je sais pas où elle est. Je sais pas, voilà. Elle est cachée parce que Jean-Christophe est très grand. Oui. Pourquoi je suis passé? Comment je suis passé derrière la caméra? Bon, il faut savoir déjà, avant ça, j'avais le goût de la mise en scène au théâtre. Voilà, ce sont bien sûr deux pratiques différentes, mais il y a quand même ce goût-là de parler aux acteurs. Ça, c'est vraiment ce qui est le plus important pour moi dans ce travail-là. Tout le monde est très important, bien évidemment, mais les acteurs, c'est passionnant. Voilà, je pourrais travailler avec des acteurs 22 heures d'affilée s'il faut. Voilà, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Et puis, comme tu dis, raconter aussi mes histoires. Voilà, et puis essayer de les montrer d'une façon. J'avais envie de faire les films que je voulais voir, peut-être aussi. Tu vois, c'était cet appétit-là, quoi. Tu vois. Ouais. Mais alors, tu m'as bouffé ma première question, mais toi, en tant que comédien, tu es dirigé, parce que tu as fait du théâtre, tu as été dirigé, tu as travaillé avec Thierry de Peretti, tu as travaillé avec François Orsoni, que je ne connais pas, Jean-Christophe Meurice, c'est ça, au théâtre. Et puis dans les films, Peretchatko, de Peretti encore, Delphine Léoni. Quand tu es dirigé, toi, en tant que comédien, est-ce que tu observes, t'en prends tout un enseignement, tu commences déjà à définir ta méthode à toi? Comment tu fonctionnes dans ces moments-là? Alors, forcément, quand on joue, on observe et on apprend même sans le vouloir. On est des éponges, donc après il suffit de passer le pas, de s'y intéresser un petit peu plus. Mais oui, c'est aussi en rencontrant des gens qu'on ajuste sa propre méthode. Mais j'ai aussi tendance à dire que les trois quarts de la méthode part de l'instinct. Ça, c'est clair et net. Voilà. C'est si on sait clairement où on est, ce qu'on veut, comment on veut le mettre en scène, on est aussi entouré pour cela. Voilà. Je suis aussi entouré pour réaliser ce que je souhaite mettre en œuvre. Bien sûr que quand on travaille avec Ravière, quand on travaille avec Amaury, Arboun, Osson, voilà, ce sont des gens aussi qui m'amènent à des endroits peut-être que je ne voyais pas. Donc, mais oui, il force est de constater qu'à un moment donné, il y a une méthode qui se met en place quand même, mais j'aime aussi en sortir de cette méthode-là, quoi. J'aime aussi me surprendre aussi et travailler un peu différemment selon les films. Oui, mais quand tu dis... La question était précisément sur le rapport au comédien. Toi, comédien, et toi, metteur en scène, comment tu... je sais pas, l'amour que tu as, que tu portes au jeu et à cet exercice-là. Donc, c'est pas le même endroit quand même. C'est pas le même endroit d'être dirigé et puis de diriger. Et dans ton film, je trouve que c'est une vraie question importante, quoi. Parce que on les posera après, mais il y a quand même une façon de diriger les non-professionnels. Il y a une façon de diriger les comédiens professionnels. Il y a une façon de les amener à un texte ou à de l'impro. Il y a beaucoup de questions quand même qu'on se pose et que tu mets en place quand même. Oui, après j'ai plus tendance à dire que quand je prends les acteurs, qu'ils soient professionnels ou non, pour moi c'est pareil. Donc du moment que je suis arrivé avec un scénario relativement très précis, avec des dialogues, voilà, le casting sert surtout pour moi à trouver les, les,
les entités qui vont porter ça, en fait. Des énergies, mais aussi le talent, bien évidemment, il en faut, du talent. On peut avoir du caractère et pas de talent, on peut ne pas être fait pour ça, quoi. Mais après, j'ai tendance à dire avant de diriger des acteurs, déjà, je vais parler à des personnes qui sont très différentes. Peu importe leur âge, peu importe leur expérience, c'est aussi mon travail de trouver peut-être le bon mot pour la bonne personne au bon moment. Voilà, c'est ça mon usine, elle est là. Et toujours, selon ce qui vient de se passer, cette personne, elle a telle caractéristique, voilà, dans quel état émotionnel elle se situe à ce moment-là, ou comment elle comprend le projet à ce moment-là. Donc c'est à moi de trouver le bon mot pour déclencher, voilà, la connexion de ce qu'elle pense et de ce qu'elle va jouer. C'est une observation constante. Mais après, diriger, alors bien sûr, il y a un travail d'arrangement, je dirais, musical. Quand on travaille avec Cédric ou Jean-Christophe, ben, c'est sûr que dans ce film-là, j'ai besoin de les effeuiller un petit peu, pas de casser leur méthode, parce que j'aime leur méthode, c'est pour ça que j'aime ces acteurs-là aussi. Mais j'essaye de les effeuiller un peu, de les fragiliser un tout petit peu, alors que les acteurs non professionnels, ben, je leur donne davantage d'outils, je les muscle, ils vont un peu dans la salle de sport, je dirais, pour arriver un peu plus costaud, solide et prêt à affronter le jeu. Mais elle ressemble à quoi quand même ta salle de sport? Parce que là, dans certaines scènes, moi je me suis vraiment posé la question, ben, c'est un des plaisirs, un des délices du film, dit Comété, mais c'est de savoir comment tu mets ce texte-là, ben, qui est donc écrit. À un moment, je me suis dit, mais là, elle a une oreillette, c'est pas possible. Comment est-ce que tu fais dire ce texte-là? Comment tu le mets en bouche de tes comédiens et tes comédiennes? Il y a quelques scènes qui ont été prises sur le vif ou en improvisation, mais très peu. D'accord. Ça représente 20% du film, à peu près. Okay. Voilà, pour être très clair là-dessus. Comment je fais? C'est compliqué. Non, il n'y a pas d'oreillette, déjà. Ah non. Non, d'accord, non, mais non. C'était une question. Non, vraiment, j'ai eu un doute sur certaines. Non. Voilà, d'accord. Non, okay. Donc c'est un texte qui est appris comme ça par les. Ah oui, complètement. D'accord. Oui, ils apprennent ce texte-là comme ils apprennent un texte de théâtre. Voilà. Après, la question, c'est comment on l'étire, comment on le réduit, comment on le crie, comment on le jette. Enfin, je leur fais sortir un peu. Sans les dénaturer, bien évidemment, quoi. Mais voilà, comme des exercices, en fait, quoi. Voilà, pour qu'ils puissent, le moment venu, il faut pas perdre de vue aussi qu'ils jouent dans le réel. Ouais. C'est un réel amical, bien sûr. C'est pas. Oui, mais bon, mais quand même. C'est quelque chose qui est mis en scène. Quoi. C'est voilà, ils sont pas si protégés que ça, en fait. Donc il faut être capable de rebondir et de pas être déstabilisé, en fait. Mais c'est le principe de la répétition de théâtre, hein. On travaille beaucoup sur le texte. Le terme répétition dit ce qu'il veut dire, quoi. Jusqu'au moment où on a infusé la chose et on est capable de sortir le texte, soit en chantant, soit avec un accent, soit en faisant une roue. Voilà. Tout à fait. Mais je pense par exemple aux enfants. Voilà, la façon, parce que ça doit être quand même une matière particulière quand même de diriger les enfants. Non, la fameuse scène dans la cour avec cette. J'ai fait pareil qu'avec Apollonia, qu'avec Cédric, qu'avec Jean-Christophe. D'accord, j'ai fait exactement la même manière, quoi. Okay. Mais je me suis assuré avant qu'ils avaient très envie de jouer. Oui. Et je me suis aussi assuré de leur capacité aussi, tu vois, de pouvoir d'avoir une âme d'acteur, en fait, cette espèce de désir là un peu inexplicable, quoi, cette magie là, quoi. Donc non, après je travaille de la même manière avec tout le monde. Alors bon, donc ce film là il Comété, tu m'apprends que c'est très écrit, tout est très écrit. Ouais, déjà cette envie de raconter ce film là qui a, si certains n'ont pas vu, mais c'est un film assez pas chorale, mais calidéoscopique, on va dire, une succession de tableaux, il y a un film narratif qui est là, mais qui est ténu, quand même, hein, qui est assez, voilà, on peut suivre une histoire, on suit des personnages, mais des personnages. Ouais. Parle-nous un peu déjà de l'écriture, de l'envie d'écrire ce film et cette histoire-là, l'envie de peindre aussi un tableau de la Corse, c'est un film qui se passe en Corse et qui parle de la Corse. Alors il y a des choses qui apparaissent en fait dans l'écriture par conséquence, en fait. Au départ, moi je suis parti dans l'idée de ce sont les dialogues qui ont créé le film, en fait.
je suis parti du principe de faire parler des personnages entre différentes natures, différents milieux sociaux, à base de, je veux dire, de punchlines ou voilà, de petites scénettes, quoi. Voilà, je suis parti sans mettre des prénoms, sans mettre des physiques. Voilà, je suis parti sur des scènes comme ça, des échanges, de discussions, plus ou moins drôles, plus ou moins tendues. Puis ça, dans ces discussions, sont apparus petit à petit des personnages, des figures, bien sûr, que je connais un petit peu, plus ou moins, qui font partie de ma vie, aussi de mon imaginaire. Bien sûr, la Corse, parce que c'est là où je suis né, c'est là où j'ai grandi, c'est là où je vis. Mais si j'avais vécu dans le nord de la France, je l'aurais fait dans le nord de la France. Donc voilà, tous ces personnages-là sont apparus, ont créé des scènes, ont créé des situations, des liens aussi, des amitiés, des inimitiés. Je me suis retrouvé avec tout ce monde-là. Je me suis dit, qu'est-ce que je fais de tous ces gens-là? C'est compliqué à mettre, c'est bien beau de l'écrire, mais après le mettre en scène, est-ce que ça tient, qu'est-ce qu'ils racontent tous ensemble et tout. Et il y a quelque chose qui est assez merveilleux, bon, qui existe aussi ailleurs, bien évidemment, mais en Corse, l'été, la diaspora un peu se retrouve dans leur village d'origine, en fait. Les gens qui ne se fréquentent pas forcément l'année se retrouvent le temps d'un été, des cousins, des plus jeunes ou plus âgés. Voilà, donc ce sont des gens qui, si tu veux, ont grandi ensemble le temps des étés, si tu veux, et puis voilà, ils ont toujours quelque chose à se raconter ou pas, ils se retrouvent, ils passent ce moment-là. Donc si tu veux, le dispositif en lui-même, qui se prêtait à ça, de rassembler tous ces gens-là si différents, n'ont pas forcément quelque chose à construire ensemble le reste de leur vie. Voilà, c'était vraiment le truc parfait pour pouvoir les mettre en image. Donc l'accord, si tu veux, elle arrive par conséquence, en fait. Tu vois, c'était pas du tout l'envie de parler de la Corse. C'était pas ça le... Oui, mais en même temps, oui, c'est pas l'envie de parler de la Corse, mais ça nous parle d'une certaine Corse. Et ça va souvent, pas tout le temps, mais à rebrousse-poil, des représentations aussi qu'on peut avoir. Je suis malheureusement jamais en Corse, mais voilà, il y a des lieux communs comme ça, qui traînent et qui encombrent peut-être nos imaginaires. Et disons que là, il y a quand même des points d'accroche qui créent soit du décalage, de l'humour, soit de l'interrogation aussi, en venant un peu bousculer l'image un peu qu'on a d'une Corse violente, villageoise, qu'elle est un peu aussi dans ton film. Je ne sais pas si elle est raciste, mais de voir un des personnages principaux qui soit d'origine africaine, c'est quelque chose qui, qu'on le veuille ou non, vient un peu bousculer aussi notre regard et notre représentation, et le fait que d'être totalement intégré aussi dans la communauté, c'est quelque chose, mais sans le souligner non plus, et sans faire des caisses là-dessus. Il y a toute cette finesse-là d'écriture que je trouve intéressante et riche, quoi. Mais ça, c'était présent déjà à l'écriture. Ah oui, totalement. Pensé dès l'écriture. Oui, ouais. Chaque personnage était, voilà, c'est très très, très clair dans ma tête. J'avais vu le passif de chacun des personnages, depuis leur temps d'enfance jusqu'à ce qu'on les retrouve à ce moment-là. Ouais. Alors, comment on organise ça? Comment on séquence ça, en fait? Comment on équilibre ça? Déjà, il y a la chronologie de l'été. Qui porte quand même quelque chose. Alors forcément, quand les personnages se retrouvent au début de l'été, ils ne sont pas dans le même état quand on les retrouve à la fin du film. Ils ont tout à pas réinventer, mais ils prennent là où ils l'ont laissé l'été précédent. Voilà. Déjà, on prend quelque chose aussi qui est en cours. Donc déjà, je me débarrasse de toutes les questions de description du personnage, pourquoi il est là, pourquoi il est... Ouais. Voilà. C'est pas eux qui se présentent à nous, c'est nous qui venons chez eux. Comme un touriste, quand j'arrive dans une ville, je prends les choses en cours. Et... Oui, parce qu'on intervient, la scène s'ouvre sur quelque chose. C'est ça, voilà, c'est ça. On monte dans le train. C'est ça, j'aime bien l'idée de, on arrive et on repart un mois après avec ce qu'on a vu. Et on en fait, on en tire nos propres conclusions ensuite. Voilà, ensuite, il y a aussi la volonté de traiter les scènes un petit peu de la... pas de la même façon, mais de me dire voilà qu'une scène
de bagarre peut être traité de la, je dirais, de la même intensité qu'une scène de discussion de comptoir. C'est pas des, voilà, sont pas des ressorts en fait de mise en scène qui permettent de rentrer. Il n'y a pas de ressort dramatique. Voilà, c'est ouais, ça. Ouais. Je traite tout un petit peu au même niveau. La vie, en fait. Ouais. Voilà. La vie, on discute maintenant. Ouais. Bon, peut-être qu'on ne sait pas. Quand je sors, je me fais écraser. Ouais. Mais quand on vient en nom, mais voilà. Ouais. Rien n'était prévu, je pense. Ouais. Voilà, non, mais tu vois ce que je veux dire. Enfin, c'est laisser un peu cette espèce de sensation d'aléatoire. Ouais. Ouais. Et si on, pour moi, si je suis dans ce rapport-là, dans la narration, bien évidemment, en étant généreux dans mes scènes, parce que ce ne sont pas des scènes contemplatives quand même, ça parle, ça joue, bon, c'est quand même généreux. Mais je me dis, il faut qu'on se sente plutôt bien avec ces gens-là. Et puis, j'aime bien ce style de se dire, on ne sait pas où on va aller. On ne sait pas où on va aller. Même si, quand on pense, quand on prend le film, on se dit, ah oui, effectivement, il y a peut-être des indices qui font qu'on comprend un petit peu mieux ce qui se passe plus tard. Mais j'aime ce soir-là, cette idée de faire confiance au fil dramaturgique dans sa nature pour pouvoir arriver à... Oui, la conclusion, elle est assez ouverte, n'empêche. Et oui, j'aime cette sensation d'aléatoire et donner confiance totale au spectateur, en fait. Est-ce qu'il... Bah, encore une fois, c'est une question que j'avais préparée, hein, je ne sais pas. Mais ce que j'aime beaucoup, et je trouve qu'une des... force du film ou des choses qui viennent dans les films, c'est la distance. La distance que la caméra a au personnage. Déjà ce premier aspect. Et deuxième aspect que je trouve assez fort et assez riche pour le spectateur, parce que ça nous implique en tant que spectateur et ça nous fait hésiter, c'est le rapport au son. D'où vient la voix? Qui parle? Je trouve que c'est une vraie qualité. Déjà la distance avec le personnage qui fait que on découvre c'est qui, c'est même au niveau des lumières, on met un temps à rentrer dans une scène et à identifier, à le replacer dans l'histoire. Ça c'est une chose. Et encore une fois, ne serait-ce que la, voilà, c'est quelqu'un qui est pas, je sais pas s'il y a des gros plans, je pense qu'il y en a pas, mais très peu. Voilà. Et tu privilégies vraiment, un cadrage, parle peut-être de ça dans un temps, et puis du rapport au son, évidemment. Bien sûr. La distance, elle me permet déjà de mettre le regard à un endroit. D'observation pure, en fait. J'invite le spectateur à s'asseoir sur un banc et regarder ce qui se passe, en fait. Voilà, c'est un peu la volonté de cette distance-là. Bien sûr, quand il y a beaucoup de personnages, on élargit le cadre, quoi. Mais oui, cette distance-là, elle est nécessaire pour que le regard aille chercher quelque chose et que ça soit le regard qui travaille. Voilà. Et pas moi qui donne tout cuit, voilà, bon, mais voilà, ce personnage est comme ci, ce personnage est comme ça, il va se passer ici. Bon, ça rejoint la question précédente, tu vois, ça va ensemble. Et aussi, ça se fait pas tout seul, parce que comment les corps vivent dans le cadre, c'est encore une autre histoire, puisqu'on est en plan séquence fixe. Oui. Et là, ça accentue le degré de... Oui, il y a très peu de mouvement de caméra. Oui, non, mais il n'y en a pas. Non, il y a une scène qui bouge. Ah, oui, tout à fait, oui. C'est une seule, ouais. Oui. C'est ça. Donc on les observe vraiment, je ne vais pas dire à leur insu, mais... Non, mais on n'est pas... Je ne trouve pas qu'on soit voyeur. On n'est pas voyeur. On est assis, oui, sur un banc. Même la bagarre, la baston, voilà, et qui est un peu au loin... Et où on entend toute la violence, mais en même temps, c'est pas qu'on se sent protégé. Et c'est pas qu'on est voyeur, mais on est sur ce banc-là. Tu passais sur la route à ce moment-là. Voilà, t'es arrêté et tu voyais, tu dessus. Et on est épargné par le côté séduisant de la violence. Et je trouve que c'est assez. C'est une baston qui commence. Mais qui finit aussi. Oui. Parce qu'il faut bien qu'ils se finissent à un moment. C'est ça. Un début, une fin. Je t'ai entendu. Mais oui, en tout cas, voilà, c'est des points d'observation selon les scènes, bien sûr. Voilà, Puis ça permet aux acteurs d'être 100% responsables de la tenue de la scène, en fait. Alors oui, il y a tout un dispositif technique. Hein. On est là, on prépare tout pour qu'ils se sentent le mieux possible.
mais c'est eux qui prennent tout en charge tout le temps. Rien ne les aide. Donc, c'est eux qui rythment tout, l'histoire, c'est eux qui nous la racontent. Donc en fait, j'ai essayé d'enlever un maximum de, je dirais, d'intermédiaires entre l'acteur et le regard. Ce qui fait qu'à un moment donné, ça crée forcément, même si le plan est large, ça crée une relation intime, en fait, entre ce qu'on est en train de voir et ce qui est en train de se passer. J'ai l'impression qu'on se sent concerné, avec moins de découpage, je dis pas que c'est pas bien, mais un jour on fait un film, c'est pas archi-découpé. Je trouve que c'est ça qui crée ce sentiment-là d'observation à la fois d'intimité. Le son, il est super important parce qu'on est dans le village, donc ça vit toujours à côté. C'est pas juste du son pour du son. On entend des voix, même si quand on découvre le film, on ne comprend pas tout de suite, mais les voix sont familières, c'est les voix des personnages aussi qu'on retrouve dans d'autres scènes. On identifie tout la spatialisation du village. C'est quelque chose qui vit au quotidien, en fait, le village. Donc ça, c'était très important. Les cris des enfants, les enfants qui jouent. Oui, le quoi qui passe. Non, tout à fait. Il y a ce son, il y a cette ambiance-là, tout à fait. Mais moi, je parle vraiment du son aussi qui est la première scène de sexe qu'on voit, qui intervient comme ça. Mm-hmm. Et on met du temps aussi à savoir d'où vient la voix. La jeune fille qui est assise sur le second trottoir commence à parler. Oui. Moi, la première vision, je me suis dit, cette fille ne va pas bien. Et voilà, avant de réaliser qu'elle parlait pas. On met un temps en tant que spectateur à rentrer, à comprendre. Et c'est un vrai rire, parce que les deux lectures peuvent être. On pourrait presque proposer deux lectures de la scène. Voilà. Et voilà, donc c'est aussi la façon dont tu l'utilises là. Oui, alors moi je le pense pas trop en termes de son, c'est plus en termes de dispositif que oui, que oui, c'est bien, oui. Alors, tu vois ce que je veux dire. Bien sûr que le son a une part très importante dans ces scènes-là, mais c'est plus un dispositif. Bon, le rapport à la cam girl, ça c'est encore autre chose. Mais oui, le off s'exprime, leur chant s'exprime. Cette petite fille tout seule, c'est comme tu dis, ça peut être à double lecture. Hein. Moi, je l'aime bien la lecture, bien évidemment, mais on peut y voir d'autres choses. Hein. En tout cas, c'est la parole. Voilà, cette parole-là, cette prise de parole-là qui m'intéresse. Voilà, une parole qui a ma hauteur, ma petite hauteur d'homme, quoi. Tu vois, qui. Et voilà, ils font comme ils peuvent, quoi, tout le long de l'été. Voilà. Oui, puis c'est des conversations assez triviales, et puis en même temps, on fait monde aussi, quoi, en politique. J'aime bien cette parole qui n'est pas du tout hiérarchisée, c'est-à-dire que quand on parle de choses très très graves, on parle de la vie, de la mort, on parle de choses déjà, on parle de sexe, on parle de. Et tout est conversation, quoi. Il y a une sorte de. Il n'y a pas de moment comme ça, solennel, ou attention. Des choses importantes, quoi. Ouais, ouais. Et ça, j'aime bien aussi cette proposition-là. Oui, oui, tout à fait. Déjà, bon, il faut reconnaître qu'ils ont le temps de ça. Oui. Ils ont quand même le temps, ils sont en vacances. Le seul qui ne parle pas, c'est le berger. Hein. C'est ouais, juste ouais. autre chose à faire à ce moment-là, quoi. Ouais. Mais oui, donc tous les sujets sont abordés. Bon, c'est sûr qu'il y a deux sports en Corse, hein, c'est la politique et le foot. Hein, donc, on parle de ça constamment. Pas forcément un sujet de conversation. Non, c'est pas un sujet de conversation, ouais. Mais il est souvent question d'idylle ou de. Oui, bon, c'est partout pareil. Hein. Oui, c'est partout pareil. Non, mais c'est filmé à égalité, c'est ça que je veux dire. Oui, c'est ça. Oui, c'est la vie. Hein, oui, voilà, on embrasse tout, on y va, quoi. Mais oui, c'est très bavard. De toute façon, c'est très bavard. Déjà, on parle de façon, c'est bavard. Ouais, ils ont tous quelque chose à dire, quelque chose à raconter à l'autre. Oui. Politique aussi, parce que ça dépend qui, mais c'est vrai que le personnage de François Régis, interprété par Jean-Christophe et Roselyne de Mobile, qui fait sa grand-mère. Bon, là, c'est encore autre chose. C'est aussi la famille. C'est une famille importante au village, qui a vécu dans les colonies. Mm-hmm. Bon. Ils ont un autre passif. Il y a un rapport au monde. Il y a un rapport au monde qui est quand même différent du Corse lambda. Ils sont politisés. Mm-hmm. Bon, oui.
il est le neveu du maire, il a des affaires en Afrique noire. Bon, ce sont des gens qui sont un peu plus concernés par les affaires politiques. Voilà. Mais oui, c'est, bon, en tout cas, ça reste encore une fois un niveau de discussion sans enjeu autre que la conversation et de se convaincre de quelque chose. Quoi, voilà. Une question là, sur la mise en scène, les dialogues, les discussions. Bon, c'est sûr qu'en fait, on surprend la discussion des personnes, mais j'ai trouvé que c'était en même temps. Il y a quand même toujours un propos derrière, enfin, il y avait des idées derrière. Et on n'avait pas des discussions très superficielles. Ça m'a amené directement dans le vif, même si c'est vrai que ça a été diffus, que ça va dans tous les sens. Mais il y a toujours un propos derrière. Et tu ne voulais pas montrer. Par exemple, j'ai l'impression qu'on arrive au milieu de l'été. Je ne sais pas si c'est le début ou le milieu. Et qu'en gros, les gens ont déjà pris leur marque. Ils sont tranquilles, ils ont pris leur repère. Et tout coule. On n'a pas de scène de. Enfin, j'ai l'impression que les gens, ils ont redécouvert leur terre. J'ai l'impression qu'ils ont repris toute leur marque et tout. Ils sont tout reprendre. On n'a pas de scène de retrouvailles. C'était voulu ou... Oui, c'était voulu. Après, bon, les premières scènes font office un peu de scène de retrouvailles. Quand Bastien arrive en quoi, alors, qu'est-ce que tu deviens je sors de prison, je me suis rasé, je me suis épilé. Bon, ça veut dire quand même qu'ils se retrouvent quand même. Mais c'est vrai que c'est léger. C'est léger. Je voulais pas présenter les personnages. Oui, c'est ça. Je voulais me débarrasser de cette question-là. Je ne voulais pas qu'ils se justifient ces personnages. Dire voilà, moi je suis tel personnage, donc vous allez me suivre pour telle raison. Non. Encore une fois, on arrive chez eux. Entre guillemets, c'est à nous de vous adapter, en tout cas, de quand même faire un pas en avant. Et pour revenir sur ce que tu disais sur le dialogue, oui, ils sont toujours empreints de quelque chose, bien évidemment, mais c'est derrière. Oui, c'est tout le temps derrière. Oui, il n'y a pas une phrase qui est posée parce qu'elle est posée. Bon, ça, c'est vrai, oui, il y a toujours quelque chose derrière. Et puis, tous ces personnages se connaissent par cœur. Donc, il y a plein de choses qu'ils n'ont pas besoin de se dire, ils n'ont pas besoin de se raconter certaines choses. D'ailleurs, il y a des choses qu'il ne faut même pas raconter. On fait comme si, voilà, comme si de rien n'était. Ou... Il y a toujours... C'est cette tension-là, en fait, qui existe. C'est une tension qui existe entre un enfant et son père ou sa mère. À une table, ils peuvent se regarder sans parler, il y a quelque chose qui existe. Deux inconnus, à moins qu'il y ait un coup de foudre, est-ce que ça peut tendre à quoi, je ne sais pas. Mais oui, il y a leur passif qui est là, qui est présent, et qui jaillit par moment. Et aussi ma pensée. Ouais. Ma pensée et voilà, mon goût de la blague un peu aride, quoi. Voilà, voilà. C'est quand même toujours là. Voilà. Oui, bonjour. D'abord, bravo pour ce film qui a quand même su capter quand même une essence de ce que pouvait être un été en Corse. Personnellement, il y a un petit peu pu ressentir les choses telles que vous avez présentées. Et puis, j'avais une question d'ordre un petit peu esthétique. Donc, tout en ordre de montage, vous avez souvent opté pour le choix de couper les scènes avant qu'elles aboutissent à une espèce de conclusion, en fait, comme si... toujours un petit peu de couper à un moment assez abrupt de leur déroulement. Pourquoi ce choix? C'est du cas par cas quand même, là, selon les scènes. Là, on est quand même dans du cas par cas. Pas sûr que ça soit globalement comme ça, mais bon. Ce qui se passe aussi des fois, c'est que la fin de la scène a lieu, mais je continue. Parce qu'il y a ça aussi. Et parfois, je coupe avant, effectivement. Mais parfois, je coupe bien après. Des fois, la scène, on a eu vraiment le point d'épuisement, on l'a eu 20 secondes avant. Et donc, soit je le coupe à ce moment-là, ou soit je me dis, bon, on va essayer de chercher un second souffle, en fait, d'attention, en fait.
voir ce que ça raconte. Si je coupe 5 secondes après, ça sert à rien. Si j'en coupe 7 secondes après, ça sert à rien. Si je pousse à 15, selon le geste, un tel geste ou un tel regard, peut-être qu'on a une autre information qui fait qu'il donne une couleur, je dirais, supplémentaire à la scène qu'on a bien enregistrée, en fait. Donc ça, c'est vraiment du cas par cas. Et tu parles de tournage ou de montage? Le montage, hein. Montage. D'accord. Montage. Ouais, montage. Ouais, d'accord. Montage. Ouais, tout à fait. Ouais. Bien que beaucoup de scènes étaient écrites comme ça aussi, hein. Ouais. Aussi. mais le montage a eu aussi, voilà, il y a eu aussi ce travail-là qui est très juste la question. Parce que, et d'un point de vue narratif, ça m'apporte quelque chose, mais aussi d'un point de vue de couleur, de sensation et de durée, et à l'œil aussi, tu vois, c'est aussi étromper notre propre anticipation. On a vu tellement de films, on a tellement vu de... Alors, je ne veux pas le contre-pied pour le plaisir du contre-pied. Bien évidemment, je cherche du sens tout le temps. Je ne laisse pas durer pour laisser durer. Mais si je laisse durer, c'est qu'il y a du sens, toujours. Il y a toujours quelque chose qui fait. Mais en effet, dramaturgiquement, la scène était finie 10 secondes avant. C'est vrai, ça peut arriver, quoi. Mais ça dépend, c'est un arrangement, c'est une harmonie de choses, c'est de la peinture, on touche un peu, hein. Le trait, il est plus grand, il est plus petit, il n'est pas précis, il n'est pas plus précis. Mais ça, par rapport au tournage, par exemple, est-ce que tu refais faire, ben, tu as ta scène en tête, tu refais faire souvent, tu fais plusieurs prises, ou tu, comment est-ce que ça fonctionne? Parce que tu cherches quelque chose quand même, et qu'il y a des scènes qui peuvent peut-être faire pchit, quoi, qui ne peuvent pas fonctionner, quoi, ou pas fonctionner comme tu les avais imaginées. Ou tu te laisses surprendre par des accidents, entre guillemets, de tournage, ou d'impro, ou un texte, je sais pas, un comédien qui pute sur un texte. Bah, comment est-ce que comment tu travailles? T'es 20 prises, ou la première est la meilleure? Là aussi, c'est du cas par cas, tout le temps. Il y a des scènes que je peux tourner en 3 prises. Et puis il y en a, on en tourne 20. C'est... Ce qui décide le nombre de prises, c'est bien sûr, je dirais, mon exigence, mais pas que. C'est aussi les acteurs. C'est eux qui décident beaucoup pour moi. Si je les sens pas... Deux exemples concrets d'une première belle surprise et puis une scène dont on voit pas la fin, où tu te dis, c'est pas possible, on y arrivera pas. Du film, si c'est racontable. En plus, non, mais je peux raconter, il n'y a pas de souci. Le problème, c'est que j'ai jamais été dans le cas de figure de « Oh mon Dieu, on va jamais y arriver ». Vraiment, j'aimerais, hein, mais en fait, j'ai toujours eu mieux que ce que je voulais. Et, ah oui. Donc bon, voilà, ça c'est cool. Mais bon, il y a des scènes qui ont été plus longues que d'autres. Hein. C'est vrai que, par exemple, ça c'est pratique, hein, la scène avec Cédric sur le poids de début, avec Apollonia aussi. Cette scène, on a eu un tout petit peu de difficulté à la sortir, simplement parce que c'est une des premières scènes qu'on a tournées, quoi. Ouais. Ils étaient encore un peu froids, quoi. Ouais. Ils n'étaient pas encore chauds. Ils étaient pas encore. Donc ça demande un peu plus d'attention, un peu plus de travail. Bon, on l'a débouché quand même. Hein. C'est pas un souci. Après, ça fait partie du truc. Après, il y a des scènes qui naissent comme ça, extraordinaires. Par exemple, la scène de Karina et Bastien à la fin, avec la robe jaune chez elle. Ça, c'est moi, c'est la grâce. Et ça sort comme ça en une prise, en fait. Hein. C'est là, comme ça, et c'est là, quoi. Je pensais même pas un jour pouvoir sortir une scène comme ça. C'est mon point de vue, hein. On peut la trouver là, la scène. Mais moi, je trouve que c'est. Je vois pas comment je pourrais faire mieux qu'une scène comme ça, en fait. Très compliqué. Donc, non, j'ai été gâté, en fait. Tu vois, après, on travaille, hein. On travaille. Mais c'est les acteurs. C'est les acteurs qui décide beaucoup, quoi, pour moi. Et la caméra fixe, le plan fixe, ça c'était un jeu. Dans tes précédents films, mais tu as toujours travaillé comme ça ou pas, ou, c'est quoi, c'est un refus du mouvement de caméra, de cette facilité-là, t'en as pas besoin, comme tu disais, c'était ce dispositif-là qui correspondait à ce film-là. Dans mes précédents films, oui, il y a du découpage, mais pas tant que ça, en effet. C'est vrai, pas tant que ça. Quoi. C'est assez. Ah, j'aime ça, en fait. Hein. J'aime ce regard clair, droit sur une situation qui est ce qu'elle est et portée par des acteurs à 300%. Voilà. Et j'aime ce rapport-là, en fait. Et pour autant, comme je te disais tout à l'heure, si un jour je fais un film,
Mais tu auras beaucoup de découpages, tu vois, des explosions d'hélicoptères. Là, c'est bien partout. Je sais pas, tu vois. C'est pas. Mais c'est vrai que j'aime ça, puis c'est tellement beau, je trouve ça tellement beau de... quand l'acteur est là et on le regarde, quoi, et qu'on va pas lui montrer derrière son oreille, je sais pas, il y a quelque chose qui. C'est précieux ce qui se passe, quoi. C'est comme quand on voit un tigre dans un documentaire, quoi. C'est compliqué de faire un découpage sur un tigre. Non, mais bien, en plus, non, et puis en plus, il y a toute la force de leur chant, quoi. C'est ça, c'est-à-dire que pour le spectateur, en tant que spectateur, on se sent terriblement respecté, quoi, parce que on travaille pas. Oui, surtout, pour terminer là-dessus, enfin, un peu sur cette question-là, quand je dis que j'ai confiance au spectateur, c'est aussi dans le sens où alors, c'est pas moi qui vais révolutionner les choses, ça, c'est clair et net. Mais il y a tellement de choses à faire. C'est un art jeune, le cinéma. C'est un des arts les plus jeunes, en fait, en vrai. Oui. L'outil, hein, je parle. Hein. Oui. Et j'ai l'impression que ça stagne beaucoup, quoi, en fait. Ah bah oui. Tu vois. Et les images, bah, disons qu'on n'est pas dans une période ultra créative par rapport à ce qu'est cet outil-là, quoi. Il y a une période, les âges d'or. Le spectateur, même s'il s'ignore, il a 20 ans d'avance, en fait, le spectateur, déjà. Il a déjà 20 ans d'avance, en fait. Donc, voilà, j'aime cette idée-là. Voilà. On va passer c'était pas du tout cet extrait que j'avais eu, mais... C'est pas celui-là, c'est celui de Bastien. J'ai pas compris le spectateur à 20 ans d'avance. Moi, en tant que spectateur, par exemple, je peux voir des films que j'aime beaucoup, que j'adore, tu vois, mais je sais que je suis toujours dans une même grammaire. Et je demande à être surpris, en fait. Je veux. Et je sais que je suis prêt à ça, en fait, même si le film en question me dérangerait. D'inventer de nouvelles choses, en fait, même en termes de format, même en termes d'écriture. Pourquoi avoir une telle durée, pourquoi avoir une narration, voilà, bien ficelée comme ça, avec deux personnages qui vont raconter toujours, tu vois, pourquoi ne pas avoir, je sais pas, une histoire de 5 minutes tu apprends sur une autre histoire plus de 25 minutes, et puis ça n'a aucun rapport, mais en même temps, ça a un lien dans l'écriture. On peut raconter les choses différemment, j'ai l'impression. C'est quand même un espace qui, pour moi, l'art sert à ça. Il ne sert pas à reproduire des espèces de schémas tout plan. Bon, c'est l'industrie qui veut cela. Mais on peut faire des belles choses complètement folles sans être un espèce de contemplatif qui filme un rocher pendant 3 heures. Quoi. On peut... Je pense qu'on peut faire des choses assez fun, en fait, quoi, tu vois. Et il y a des gens qui ont un talent monstrueux qui peuvent le faire, quoi. Mais qui sont contraints dans l'industrie, ils ne peuvent pas le faire. Du moins, ils n'osent pas le faire. Plein de choses à inventer, quoi. Maintenant, c'est soit le film, comme on connaît tous, voilà, avec son film classique, ou soit, non, c'est vrai, on se tape tous des séries. On peut trouver autre chose, quoi. On peut trouver un autre moyen de raconter une histoire à l'image. On peut trouver... une autre expérience, quoi, je sais pas, qui n'a pas forcément un sens logique, tu vois, on peut chercher des choses, du moins que c'est généreux, moi c'est ça qui m'intéresse, c'est pour raconter n'importe quoi, encore une fois, contemplatif sur le vide, bon, 3 heures, si tu veux, je ne peux plus, quoi, tu vois, mais moi je pense pas, je serais pas capable de le faire, je n'ai pas l'appétit de, enfin, ni le talent d'ailleurs. Mais c'est dommage, enfin je m'ennuie, quoi. La dernière fois que je me suis vraiment excité, c'était il y a très longtemps, en fait. Bon, ouais. Bon, je passe. Il était à quel village déjà? Tola.
c'est sûr, ça dépend lesquels. Moi, c'est que tu te tiens toi, on dirait tous les, toutes les fachées en gauche, là. Un coup sans poil, c'est pareil, hein. Tu rejettes un bâton et après. C'est pas une escarpe. Tu veux quoi? Combien? 110. Escarpe et sommet, elles te portent pas les mêmes au barbe, ça va. Entre le pantalon. Moi, un projet. Tu veux la voiture du fils à Jean? Ça va, hein? À notre époque, ton père nous offrait rien quand on avait les diplômes. Si tu dis un diplôme, Bastien, tu es jamais à l'école, si tu réponds. Mais c'est un peu plomberie, c'est la merde. C'est quoi? Aujourd'hui, quand tu es plombé, tu te fais les couilles en or. Les couilles en or que tu te fais. Je me demande si je vais pas partir en Thaïlande pour mon IAC. Sous la bosse. Et toi, au paradis, on se la fait belle. Ouais. Par contre, les billets, tu les comprends. C'est quoi? Si tu fais le malin, les billets, je les paye pas. Par contre, j'arrive sur place, je prends ton charge et j'organise un championnat de la ville. Championnat de la ville, et comment? On prend 32 grosses prises. On fait les coups de l'année des champions et un des autres. Et tu sais combien sous chaque groupe, en 8e, en quart, ainsi de suite. C'est pas niqué. Faut profiter des grands maquets de celui-là, il faut se faire sucer. Je me casse tout en ligne, dans le 8e. Et comment? La sur de ville, oui, donc c'est l'extrait dont tu me parlais, je crois. Ouais. Du quad. Non, mais je t'écoutais à la parler là. Par rapport à ce que tu disais, tu disais ne rien avoir vu de très excitant depuis très longtemps. Quel est le dernier film ou le dernier souvenir que tu as de quelque chose, justement, plutôt stimulant, un cinéma auquel tu aimerais ressembler peut-être, ou à une zone ou à un territoire de, comme ça, de cinéma où tu te dis tiens, là, c'est intéressant ce qui se passe. Alors, si. Plutôt en tant que spectateur, hein, que je m'exprimais vraiment. Hein. Dans le dernier film, moi, qui m'a vraiment beaucoup plu, c'est Interstellar. Ouais. D'accord. Ouais, vraiment. Ouais. Tu l'as mis dans ta... Pourquoi, alors, pourquoi Parce qu'il y a quelque chose d'assez total, de très généreux avec Nolan, que j'aime beaucoup, en fait. C'est fait partie des rares films où je comprends pourquoi on met tant de millions dedans, en fait. D'accord, voilà. Okay. Voilà, j'aime cette approche SF, si tu veux, déjà à la base, quoi, tu vois, mais qui est quand même réalisé avec beaucoup de maestria et des acteurs juste terribles, qui sont d'une humanité totale, et puis ça va quand même chercher dans des théories, dans des principes, si tu veux, tu vois, c'est... Théorie des cordes, tu vois. J'ai aimé cette idée-là, mais... De toute façon, mon chien, j'adore ce film là. Je ne serais pas attendu à ça, parce que pour moi, Nolan, c'est quelqu'un de très mental, justement. Carrément, ouais. Qui a toujours un coup d'avance sur le spectateur. Moi, en tant que spectateur, je me sens toujours le dernier des nuls, parce que je n'ai pas compris. J'ai l'impression qu'il mène un peu par le bout. Moi aussi. Mais moi, c'est pas un argument de séduction, quoi, pour moi. Mais en même temps. Mais non, mais c'est pour ça que je t'ai fait choisir quelques films. Tu m'as dit, oui, je suis pas super à l'aise avec les classiques. Mais bon, en même temps, je trouve ça intéressant. Délivrance de John Borman. Ouais. Qu'est-ce que. Ah, ça, c'est rude. Juste quelques mots ou le souvenir que t'as de. Non, mais c'est... C'est aussi, j'ai pas vécu ça, attention. Mais bon, je suis quand même quelqu'un du rural, hein, aussi de la montagne aussi, voilà. Donc c'est, voilà, bon, les villages en Corse, c'est quand même assez rude. Donc il y a une espèce de familiarité, si tu veux, sur le principe de partir en montagne, partir pêcher avec les amis, tu vois. Alors oui, c'est très masculin, tout ce qu'on veut, quoi, tu vois. Avec des rednecks un peu autochtones, voilà,
qui t'accueille d'une façon assez incroyable. Bon, là, ça va très loin dans Délivrance. Donc, c'est une espèce de, oui, c'est une espèce d'image comme ça qui explose complètement de mes souvenirs d'enfant, en fait, quoi, voilà. Et surtout, bah, aussi parce que le film en lui-même, quoi, tout simplement, quoi. Hein, c'est, cette histoire-là, elle est juste fantastique. La fin de Délivrance, c'est juste fantastique, quoi, surtout du souper avec le secret en deux, est juste magnifique. Donc, oui, il y a une espèce de dureté là-dedans qui me choque, mais me fait rire aussi, si tu veux. Tu vois, c'est ma seule façon de. Voilà, d'encaisser le cette histoire-là et ce qu'il montre dedans, enfin, la dureté de ce qu'il y a dedans, quoi. Puis voilà, non, c'est... Voilà, j'aime ce rapport-là, voilà, c'est le rapport frontal entre l'autochtone et le touriste, tu vois. Voilà, c'est un peu border quand même, hein, Délivrance, hein, par rapport à moi. Ouais. Mais j'aime cette idée-là, en fait. Ça crée quelque chose, en fait. Ça nous crée une sensation perverse, j'en sais rien. Mais voilà, comme ça va. Une question que je t'ai posée, qui est quand même importante, juste pour revenir 30 secondes sur le film, c'est la question de l'humour, quand même. Mmh. Naïve Comédie et alors, j'ai pas envie. Il y a de la légèreté, mais parfois, je dirais pas qu'il y a de la gravité, mais il y a quand même la question de l'humour et d'une façon de rebondir comme ça, sur de couper une scène, ou de. Ça, c'est encore une fois, c'est à l'écriture où tu te dis, tiens, cette scène, elle va bien faire marrer le spectateur. Ou, on se le dit jamais vraiment comme ça, mais ça se construit quand même. C'est pas seulement l'accent corse qui fait rire, quoi. Non, c'est voilà. Comment est-ce que tu. Bah, la scène, elle te fait marrer, donc tu te dis qu'elle fait marrer le plus grand nombre, ou comment en vrai, si elle me fait marrer, c'est bon. Oui, voilà, c'est ça. Après, le spectateur, je sais même pas s'il va lui faire marrer. Non, parce qu'on se marre, hein, très souvent. Bah, tant mieux. Moi, des fois, je suis même surpris de voir se marrer devant le film. Je dis, finalement, mon humour, il ne fait pas rire pas moi-même. Oui, d'accord. Donc, c'est super égoïste, l'humour qu'il y a dedans. Oui, ok. D'accord, mais bon, ça fonctionne. L'exorciste, Friedkin. Oui. Alors, pourquoi? Ça, c'est moyennement drôle, quand même. Ouais, parce que comme on dit, hein, il a tué le game, en fait, avec ce film-là. Dans le genre, il a tout explosé, en fait. Voilà, il a tout explosé derrière sa structure, rien de faire des films de ce genre. C'est très clair, il a fait le tour de tout. Et puis, c'est un objet de cinéma, total. Ouais. C'est magnifique, tous les plans sont sublimes. Ouais. Ce qui se passe dans le plan, c'est, ça n'a pas, pour moi en tout cas, ça n'a pas vieilli. Tout est tourné extraordinaire, une façon extraordinaire, les acteurs sont démentiels, le son, c'est une folie furieuse, il est surmixé le film, c'est tout le temps oppressé par un son qui n'est pas très précis au final, mais qui est tellement oppressant que c'est super saisissant, en fait, la façon dont il a réalisé ce film-là, quoi. Et puis c'est culte, tout simplement, quoi. Quand on fait la taper dans un sujet... qui t'amène à tellement de réflexions, enfin moi en tout cas, qui m'amène à tellement de réflexions possibles, quoi, tu vois. Sans parler, je dirais, des questions religieuses, hein, ouais. C'est juste déjà de ce qui se passe, c'est quoi d'être possédé, c'est quoi le rapport avec ce prêtre-là, tout ce duo-là, qui est le patient, qui est le médecin. C'est assez fantastique, mais c'est aussi l'objet du cinéma, qui la version longue est extraordinaire. L'ouverture, c'est l'ouverture de la version longue sur le site archéologique, c'est fabuleux, c'est des images. Et je crois en plus que Vincidou n'était pas le premier choix, mais je ne sais pas, il y a toute une histoire de film, je me trompe peut-être. Je ne sais plus, c'est possible. C'est quand il y a des films comme ça aussi marquants, de voir leur construction et de voir les hasards qu'on menait à une sorte d'objet, pas parfait, mais bon, voilà, qui a marqué l'histoire du cinéma. Alors, tout le temps, James Gray. Ouais. Tu l'avais bien mis sur ta liste. Tout à fait, ouais. 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 Alors parle-nous de James Gray. Alors là, c'est pas tant James Gray, en fait, en lui-même. C'est pas tant le réalisateur. J'aime bien ce qu'il fait. C'est pas. Mais il y a des moments comme ça. Il y a des acteurs qui se rencontrent et qui créent une magie, hein, tout simplement. Les trois acteurs sont fantastiques. C'est une grande masterclass, quoi, de jeu, en fait. Quoi. C'est,
et sur un sujet qui est le plus compliqué du monde, quoi. Donc t'as Stéphane de l'équipe Phoenix, quoi, quand même. Ouais. C'est fantastique. Je trouve pas qu'il cabotine trop parfois. Bah non, pas dans celui-ci. Non, Joker, ça m'a saoulé parfois. Ah voilà, d'accord. Non, mais il est très, je trouve très, 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 très sensible. Ouais. Ok. Mais écoute, dernière question. Oui. Les projets. Si tu as envie d'en parler. Ouais, ouais, pas vous. Non, il y a des. Parfois, les gens ne veulent pas parler de leurs projets. Non, non. Bah, les projets, voilà, je joue en ce moment au théâtre de la Bastille, une pièce de Shakespeare qui s'appelle Coriolan, une enseigne par François Orsoni. Donc ça c'est chouette, je joue au théâtre, ça fait du bien, c'est peut-être la chose que je préfère. De jouer au théâtre. Ouais, je pense que c'est le seul truc. Je pourrais plus faire de films, j'arriverai à vivre, je pourrais plus jouer au cinéma, j'arriverai à vivre, mais me priver de plateau, ça serait ma mort, en fait. Donc ça, c'est sûr. Donc c'est, je suis très heureux de jouer en ce moment. Et puis voilà, ce documentaire en post-production, qui est une sorte d'ancien projet, comme ça. Tout à fait. En fait, brièvement, j'étais parti en ligne à Moscou, à la compagnie de Vita de Lande, qui est à l'image. Et le but du jeu, c'était un petit peu de faire donner des images à partir d'un poème de Vladimir Mayakovsky qui s'appelle l'Évangile. Bon, c'était très libre comme approche. Donc le but du jeu, c'était de sortir, je dirais, comme des clips sur lesquels il y aurait de la musique et des poèmes. Ce projet-là, je l'aboutis. Mais ça a laissé derrière 97% des rushs, en fait. Voilà. Et ça fait des années, en fait, je fais un rêve, tu vois, qui est assez récurrent, et je rêve jamais de mon travail, hein, je rêve jamais du plateau, jamais du cinéma. Il y en a un qui revient de façon récurrente, c'est je me vois dans un film qui n'a pas de sens, en fait, tu vois, vraiment, mais je m'y vois jeune dedans, et je passe d'une situation à une autre. Mais j'aime ce que je vois, en fait. Quoi, tu vois, je dis, oh, putain, mais j'ai tout bien dansé, quoi, déjà, tu vois. Mais en fait, c'était ça, quoi, tu vois. C'était ces rushs-là, en fait, quoi, tu vois. Oui, j'ai pas fait de lien. C'était ça, quoi. Voilà. Donc là, il est monté. Tous ces rushs en sommeil, c'est sûr. Oui, voilà. Donc là, je travaille dessus et ça sortira, il y aura une sortie. Delphine, hein. On est en sélection festival, là, dans cette phase, disons. Pour voir où est-ce qu'il sera projeté en premier. Voilà, on commence à l'envoyer. Et ce sera un format quoi, ça? Il fait un peu moins d'une heure. 56, ouais. C'est ça. Il y a des films à écrire, mais pour l'instant, c'est pas pour l'instant. Bah écoute, merci pour ton film. Merci à vous. Et merci. Gros bisous à Martin, Berthier, producteur, Elisabeth Perrier, distributrice Webben, elle est là, à Miss Britain aussi. Gros bisous et Delphine. Bien sûr, et mes acteurs, à Bologna, Orson, merci à vous. Un petit peu que faire.